spécialement ce côté, je vais chercher. Quelqu'un qui squatte ici, c'est sûr. Aïe. On va pas s'éterniser, pas que le mec derrière, qu'il soit un peu fou. Parce qu'on sait jamais qu'il y a quelqu'un. Les pigeons morts. Toujours sympathique. Espèce de vitrine, je sais pas ce que ça pourrait foutre là. J'ai oublié un étage. Ah, j'ai plus de fil. Super. C'est assez glauque, assez moche, assez crade. Mais il est quand même relativement ouf ce spot.
C'est la partie bureau. Tu vois un peu de graffiti. Les silos sont là. Je me rappelais plus que c'était aussi pourri pour monter. Tiens. Ah ouais, ça a été rebricolé. Rebricolé. Ok, ça bascule rapidement. Hop. Ah, ça a changé depuis que je suis arrivé. Je sais pas si c'est la première fois. Bon, c'est bon, on a réussi à monter. Ah, c'est un repère de pigeons aussi. Ah, premier silo. Des tuyaux qui devaient être déchargés dans des bennes, dans des camions. Continuer à monter. Pour moi, la hauteur, c'est pas mon kiff ultime. Je vous le dis déjà. Donc voilà tous les silos. Assez profond comme vous pouvez le voir. Il y avait de quoi faire. Nombre de poches ne sert à rien. Et c'est là où t'es pas bien en général. Là, t'es au-dessus du vide là. La grille elle pète. T'es comme une grosse merde. Pigeon. Donc voilà. Toutes ces grandes cuves. Contenait des céréales. Elle est vraiment, mais pas du tout en sécurité cette grille là. Elle fait vraiment flipper. Elle est vraiment vieille. Bon, de toute façon. Oh, tu vas tranquille. Pourquoi t'es rose? Bizarre ça. Et le cou rose. Voilà. Je peux vous dire, je suis pas trop rassuré là. Donc on va essayer de voir s'il y a autre chose à voir. Nous voilà dans un château d'eau abandonné, en pleine forêt, au milieu de nulle part. Il devait certainement servir pendant la guerre, celui-là. Bon, il y a deux gugus qui coupent des arbres là, j'espère qu'ils vont pas venir m'emmerder. Je suis jamais tranquille en ce moment pour faire de l'urbex. C'est un truc de malade. Il y a tout le temps le caca dans les environs. Hop. Moi par contre il est hyper dangereux. Il n'y a plus de barrière. Donc les marches sont comme ça dans le vide. Voilà. Donc au début ça va, tu fais ça, c'est en rigolant.
Mais quand tu dois redescendre, fais-moi le caïd, moi je te le dis. Mon premier palier. C'est encore ça. Allez, du bus, ils sont par là-bas. Arrive en haut. Alors que les gugus ils vont pas me voir, c'est de rester planqué. On a vu qu'on est en haut, un bel escargot. On raffole dans l'urbex en photo. Voilà. On voit bien la nature qui reprend le dessus. Cette petite. Je sais pas, ce tuyau, cette crevasse, cette. Je ne sais pas comment appeler ça. Ah, je ne connais pas les termes techniques. Et voilà. Petit château d'eau. Au milieu de la forêt. Bon, j'espère que cette fois je vais pas avoir de commentaires à la con. Comme quoi je suis un usurpateur et que je prends les photos des autres et je me les approprie. Je me suis pris un peu la tête avec un pauvre type là sur YouTube. Une espèce de super-héros de l'urbex. Donc je l'ai vite remis en place. Puis le mec courageux, au bout d'une heure, il a effacé tous ses messages. Donc dans le royaume du pitoyable, je crois qu'on a trouvé le maître. Donc voilà ce petit château d'eau. Petite vue d'en dessous encore. Ouais, une belle petite ruine, je la connais, rien, vraiment rien d'exceptionnel. Mais c'est juste parce que j'ai tapé un délire photographique dedans, je vous ai serré les photos. C'est marrant, et puis la nature, elle reprend vraiment bien le dessus, quoi. C'est incroyable. Et bon, à l'intérieur, c'est vraiment tout effondré, vraiment pas grand chose. Mais cet extérieur est quand même vraiment, vraiment sympa. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer dans ce lieu. Je le connais pas du tout. Rien du tout. Accessible.
permis de démolir sur la maison et pas d'accès. Encore un camel pour les vaches. On peut aller. Il n'y a rien. C'est les étables de tout à l'heure. C'est toute la partie grange qu'on a visitée, donc c'est dommage pour la partie maison. Je vais pas casser la porte. Il y a des règles. On s'y tient. Bon, on va s'arrêter là pour cette maison. On va essayer de finir cette journée par ce dernier lieu. Grande usine. Cassage de gueule en direct. Je crois que c'était une usine qui s'occupait de pièces automobiles. En ce moment, ils sont en train de la réhabiliter parce que c'était pas comme ça avant. Ici, on a une grande partie avec des moules. Je sais pas ce qu'ils moulaient comme pièce. Je sais pas ce qu'ils faisaient comme activité ici. Bonne paire quand même. Pour ce premier bâtiment. On va aller se rendre. Comme c'est en travaux, je sais même pas si c'est encore accessible. Il y a déjà des petits graphes. Je sais pas s'ils sont finis, mais il y a quand même des trous dans les murs. Un bon signe pour rentrer. Encore des graphes. C'est ici que c'était ouvert dans le temps. Maintenant c'est fermé. Avant tout. Ah, c'est rentré. Les petits graffitis.
tout démonter en fait. Ah merde, on n'a plus pour longtemps dans cette usine. En fait, il y avait une grande colonne ici, avec que de la machinerie. Ils ont tout démonté en fait. Ils vont réhabiliter le lieu. Plus intéressant, il est plus là. Ouais, ils sont en train de tout défoncer avec leur mangon, ils sont en train de tout découper. Là, je l'avais jamais vu. Il est pas mal. Des déchets partout par terre, papier. Ils ont même démonté les grues qu'il y avait en aérien. J'avais fait quelques photos aussi. Dommage. Avant ici il y avait plein de machines à toute la longueur jusqu'au fond. Maintenant il n'y a plus rien. Encore une petite partie. On va la voir. Ici ça devait être le bureau des chefs. Tout défoncé aussi. Encore des classeurs maintenant et tout. Bureau d'expédition. Je l'ai passé il n'y a pas longtemps, j'avais vu des gens dans l'enceinte. Je me demandais justement pourquoi ils étaient là. Maintenant je sais. Pour longtemps ici, tous les spots sont en train de disparaître les uns après les autres. À croire que ils veulent la fin de l'urbex. Vous nous aurez pas comme ça, on trouvera toujours quelque chose à rabexer. Je peux m'amuser à monter tout, sur toute la structure, mais justement vous montrer la cabine. Joli petit graphe. On s'approche un peu. Voilà. Shocker 13. 2018, ça date, ça fait longtemps que je suis pas venu. Voilà ce qu'il reste des machines. Plus grand chose.
bien Mad Metal. C'est en train de tout dépecer comme des sauvages. Et encore la bande principale là qu'on va aller voir. Machinerie énorme, travail à la chaîne, ce qui est le pire au monde. Oula, il y a un moyen de faire de l'exploration par là. S'il y a des spéléologues, on entend l'eau qui coule partout. C'est juste une machine avec plein de rouleaux, rien de bien exceptionnel. Ça devait être une lamineuse ou un truc comme ça. Allez voir ce que les photos nous disent de cette entreprise. Ça faisait toutes sortes de choses. Des tuyaux, des portes de garage, des appliques, des brouettes. Des charrettes de camions, des charrettes de voitures, des casiers, tous les dérivés de métaux quoi. Salle des machines. Ah bah, on aurait pu rentrer par là en fait. Ça glisse, il y a des micro-billes par terre. Un truc nickel pour se casser la gueule. À l'autre côté de la machine. Je sais pas si c'est des vérins. Probable. Les machines. On va aller voir les bureaux. Douche de sécurité, sympa, ça me rend confiance, bosser dans un endroit avec ça. Vieux burlingue, tout défoncé, avec vue sur le dépôt pour surveiller la masse qui travaille pendant que les chefs se la coulent douce sur l'ordinateur, sur Facebook. Machine Spectrolab.
papier témoigne encore de l'activité de cette entreprise, des schémas, des plans, des factures, encore des rouleaux d'essuie-tout. Les registres, défense de fumée, d'accord. Et pas l'attention, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Des casiers, des vieux casiers. Des armoires à outillage apparemment. Pour un micro-ondes qui fait un wheeling. Bon ben je crois qu'on a fait le tour. Il y a le chouchou qui passait. Tout ça c'est le grand bâtiment qu'on vient de faire. Des quais, je sais pas ce qu'ils pouvaient mettre là, ou c'était peut-être des compresseurs d'énergie, aucune idée, je parle pour parler. Petit grave sympathique, là aussi encore un. Ah merde, donc la moitié. Ah, désolé mec, ils ont défoncé la moitié de ton graphe. Une salle bien niquée. Top du niqué là. À 9% de batterie, je vais plus aller loin. Je vais me dépêcher. Un vieux bureau. Un atelier, qu'un établi. Avec la bonne binge des circonstances. Pas du tout ce que c'est ici. Compteur électrique. Un cul-de-sac. Oui, bah là, c'était clair que c'était la centrale électrique. Pas mal de choses, mais de rien, qui sont restées. La discrétion du gars, quoi. Un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi.
reviens seul tout à l'heure. Yo, c'est la fin de cette expo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Et tous les haters, je les emmerde.